Un an est passé depuis que le virus Ebola a fait son apparition en Guinée, en Sierra Leone et au Libéria. Et en un an, il a tué plus de 10 200 personnes. Environ 24 000 ont été infectés. Aujourd'hui, l'épidémie n'est pas terminée. La Sierra Leone a ordonné le confinement de toute sa population du 27 au 29 mars prochain. Quand Ebola est apparu en Sierra Leone, en Guinée, au Libéria, les gouvernements et les citoyens n'étaient pas préparés à cela. Nous n'avions pas les ressources, le personnel. Sur tous les docteurs que nous avions, un seul avait été formé à affronter une maladie virale, explique ce dirigeant d'un groupement d'associations militant pour l'accès à la santé en Sierra Leone. La Guinée, avec 4 283 morts, et la Sierra Leone, avec 3 702 morts, sont les deux pays les plus affectés par l'épidémie. Les Nations Unies ont mobilisé 600 millions de dollars de fonds pour aider les pays touchés. La mission des Nations Unies pour l'action d'urgence contre Ebola a été créée, mais la réponse a été tardive et dispersée. L'Organisation mondiale de la santé est pointée du doigt par un rapport de l'ONG Médecins sans frontières. C'était clairement une épidémie internationale et c'est vraiment une honte que l'OMS et la communauté internationale se soient réveillés quand des Occidentaux ont été infectés, explique Christopher Stokes. Ce n'est que le 8 août que l'OMS a décrété une urgence de santé publique mondiale et demandé une réponse internationale coordonnée. À ce moment-là, plus d'un millier de personnes étaient déjà mortes, selon MSF, qui accuse l'OMS d'avoir ignoré ses appels à l'aide.